Bonjour à tous mes chers amis et merci de me retrouver dans cette nouvelle vidéo review qui va être très particulière puisque je suis habité voire submergé par plein d'émotions tellement je suis content et ému. Mais avant de commencer la vidéo, je voudrais tout d'abord remercier du fond de mon cœur Véronique alias Parole de Sorcière. Merci, merci, merci beaucoup du fond du cœur pour cette délicate attention, pour cette surprise à laquelle je ne m'attendais absolument pas. Parce que vraiment ça a été une vraie surprise et laissez-moi vous expliquer pourquoi c'est une surprise. Vous savez que j'avais eu un vrai coup de cœur pour l'agenda Parole de Sorcière saison 2021. Je trouve que c'est un agenda qui est extraordinaire puisqu'il ressemble davantage à un livre des ombres que véritablement à un agenda, même si on retrouvait des choses pour écrire, des rendez-vous, etc., etc. Il était tellement bourré d'informations que concrètement il ressemblait quand même davantage à un vrai grimoire qui pouvait nous accompagner au fil des jours qu'un agenda classique qu'on pourrait trouver un peu partout. Et le 2022, comme vous en doutez, je lorgnais dessus, il était dans ma wishlist également, et j'étais en train, je m'apprêtais à le commander quand je reçois un petit message d'une certaine Véronique qui me propose eh bien, de m'en faire cadeau. Et tout d'abord, j'ai mis un moment avant de lui répondre, enfin un moment, j'ai dû mettre quoi, une minute, mais le temps que je lise et que je réalise, je me suis dit, mais c'est une blague. Parce que je m'y attendais tellement pas, mais j'ai vraiment pris ça en plus comme un signe du destin, dans le sens où je m'apprêtais à commander en plus l'agenda, parce qu'il était hors de question que je passe à côté. Donc je m'apprêtais à commander, et vraiment, mais la synchronicité, on aurait voulu le faire, je vous jure les amis, ça aurait pas été possible autrement. Donc vraiment, merci Véronique pour ce très beau cadeau qui me touche beaucoup. En plus, du coup, il a une valeur particulière. Pourquoi? Parce que, comme vous le savez, je suis en plein déménagement. Je pense que là maintenant, ça commence à se voir, hein, que le cabinet est en train de se vider. Et du coup, je démarre un nouveau départ, hein, très concrètement, puisque là, le mois de septembre, ça va être le dernier mois qui nous reste et le déménagement va se faire vers la mi-octobre. Donc, je prends un nouveau départ, une nouvelle vie, une nouvelle page qui se tourne, voire même un nouveau chapitre, en fait, qui va s'écrire. Et par conséquent, cet agenda, il a déjà une énergie qui est particulière, puisqu'il a été offert avec le cœur. Et Véronique me l'a offert, justement, pour symboliser cette nouvelle page, ce nouveau chapitre qui va s'ouvrir à moi. Et je me retiens parce que je suis tellement ému, je pense qu'il y a une petite larmichette là qui est pas loin. Mais vraiment ça me touche beaucoup et juste merci en fait, juste merci. Pour une fois je trouve pas les mots, pourtant moi qui suis pipelette j'ai toujours plein de choses à dire, mais là j'ai rien d'autre qui sort à part un merci, vraiment un merci infiniment. Alors bon, maintenant qu'on a pleuré, maintenant que c'est fait, on va pouvoir peut-être présenter ce que vous voulez voir, hein, parce que c'est quand même pour ça que vous regardez la vidéo à la base. Donc l'agenda Parole de Sorcière, qu'est-ce que c'est exactement? Alors pour ceux qui l'ont connu, le tout premier est sorti l'année dernière, pour l'année 2020-2021. Alors je peux pas, je suis désolé, je peux pas vous le comparer, je voulais vous faire une vidéo comparative entre le premier et le dernier, mais le problème c'est qu'il est dans les cartons, donc je vais pas réouvrir mes cartons et fouiller dans tous mes cartons pour retrouver l'agenda. Donc tant pis, vous n'aurez pas une vidéo comparative. Mais par contre, si vous voulez voir une petite comparaison, allez voir la chaîne de mon ami Laurence, Laurence Vime. En début de vidéo, on voit les deux carnets différents. Et donc Véronique n'a pas dérogé à la règle en nous proposant à nouveau un superbe ouvrage avec quelques nouveautés en plus. On va retrouver
tout l'esprit de l'agenda Parole de Sorcière, puisque vous allez le voir à nouveau, c'est un vrai grimoire. Honnêtement, les amis, alors c'est peut-être pas objectif de dire ça, parce que vous allez croire que parce que c'est un cadeau, je dis ça. Non, non, mais c'est sincère. Si ça avait été moi qui l'avais acheté, j'aurais dit exactement la même chose, hein, je vous rassure. Pour ceux qui débutent la magie, je trouve que cet agenda est vraiment bien, dans le sens où il va vraiment être un allié pour pouvoir vous accompagner au quotidien, vraiment, tous les jours, vous avez plein d'informations, que ce soit sur les sabbats, que ce soit sur les rituels, sur les bases de magie, etc. Il est vraiment très intéressant dans le sens où c'est une mine d'informations. Donc pour ceux qui débutent en magie, si j'avais un livre à vous conseiller, ce serait celui-ci. Maintenant, il y a 2-3 jours en arrière, je vous ai fait la review du carnet de pratique, du grimoire de pratique de Lisbeth Nemandi. Et c'est là où le problème se fait, c'est-à-dire que vous avez été plusieurs à me mettre en commentaire lequel je vous conseillerais, soit le grimoire de Lisbeth, soit l'agenda Parole de Sorcière. Et ben honnêtement, je peux pas vous conseiller ou l'un ou l'autre. Très sincèrement et de façon très objective, les deux en fait sont différents. Les deux se complètent. Le grimoire de Lisbeth, ça serait type un carnet de TP. C'est-à-dire que si vous voulez vraiment poser et organiser votre pratique au quotidien, c'est le grimoire qu'il vous faut, enfin c'est l'agenda qu'il vous faut. Maintenant, si vous êtes plus dans l'univers witchy au sens un peu comme moi, c'est-à-dire bohème, etc., ça serait du coup plus celui-ci qui vous conviendrait. Mais honnêtement, c'est pas pour vous faire acheter ce que je vais vous dire, mais il vous faudrait limite les deux, parce que les deux vont vous apporter des choses qui sont très différentes et qui sont très complémentaires. C'est-à-dire que le grimoire de Lisbeth, il va vous apporter une certaine, entre guillemets, organisation, hein, quelque chose qui sera un peu carré, un peu comme un guide ou un professeur qui va vous accompagner sur votre pratique et avoir, comme on pourrait dire, une sorte de carnet dans lequel vous allez pouvoir inscrire toutes vos pratiques. Et celui-ci, il est plus calé, j'ai envie de dire, magie, c'est vraiment plus le grimoire. Pour moi, celui-là, alors honnêtement, vous pouvez l'utiliser pour votre vie quotidienne, pour noter vos rendez-vous, etc., etc. Mais moi, je sais que je l'utilise pas du tout comme ça. Je l'utilise plutôt pour inscrire par exemple les tirages que je peux faire, les rituels que je peux faire, les événements importants que j'associe plus ou moins à l'occulte, des choses un peu bizarres que j'ai pu vivre dans ma vie, pour essayer de faire des correspondances et puis laisser une trace de ce que j'ai vécu, etc. Pour essayer après, vous voyez, de tisser un lien. Vraiment, moi celui-là, je le considère comme un livre des ombres, et le grimoire de Lisbeth, ça sera vraiment plus le carnet de TP, de travaux pratiques, voilà. Mais je peux pas vous conseiller ou l'un ou l'autre, les deux sont vraiment bien, et honnêtement, si vous voulez vous faire un support de travail intéressant, il vous faudrait en fait les deux. Je suis désolé, oui, je fais consommer, je suis désolé. En même temps, pour ma défense quand même, que ce soit le carnet de pratique de Lisbeth ou l'agenda Parole de Sorcière, ils sont à un prix ridiculeusement bas, c'est-à-dire que celui-ci, il est quand même à moins de 20 €, il est à 18,95 €, et 20 € aujourd'hui, vous avez quoi? Bah, pour un petit billet de 20 balles, voilà, 20 baluches, qu'est-ce que vous avez aujourd'hui pour 20 balles? Rien du tout. Bah là, pour 20 balles, vous avez quand même un joli carnet qui est de très bonne qualité, puisque la maison d'édition, vous savez qui c'est, si si, vous savez qui c'est, il s'agit de Alliance Magique, qu'on ne présente même plus, il n'y a même plus besoin de vanter leur qualité, donc vous avez quand même un super bouquin ici qui va vous accompagner tout le long de l'année, et je peux vous le dire parce que celui de l'année dernière, je l'ai quand même bien poncé, je l'ai apporté avec moi souvent dans mes balades, etc. Il a entre guillemets morflé dans le sens où il a vécu tout simplement, et il est encore en très bon état. Bon, après j'avoue que je suis quelqu'un de très soigneux qui fait très attention à mes affaires, mais pour dire que la qualité, honnêtement, il a vécu pendant un an sans aucun problème, il est même pas ni corné ni rien du tout, il est en parfait état. En plus, moi j'aime bien me les approprier, donc je me suis collé deux petits signets, deux petits rubans qui sont en plus de la couleur de la couverture. Je vous montre un petit peu la couverture qui est vraiment très très belle. L'année dernière, on avait plutôt un violet un peu améthyste avec une mandragore qui était dessus. Là, Véronique a opté pour un fuchsia. Plutôt fuchsia, on est plutôt sur un fuchsia pourpre à peu près, avec une petite chouette en couverture. Je me passerai du jeu de mots en disant c'est chouette, hein, parce que celle-là elle était un petit peu facile. Allez, je vous propose tout de suite de vous changer d'angle et qu'on découvre cette petite merveille en détail.
Et voici notre superbe agenda de paroles de sorcière pour l'année 2021-2022, puisqu'effectivement, il va commencer en septembre 2021 et se terminer en août 2022. Pour ceux qui ont la première version, c'est-à-dire celle de l'année dernière, on est exactement sur la même qualité, sur le même format, on est sur une couverture qui est rigide, un carton qui est très épais. Soucieux de l'environnement, alliance magique, il faut savoir que pour chaque livre qui est imprimé, il y a un arbre qui est planté, et ça, on aime beaucoup les personnes qui sont soucieuses de l'environnement. J'ai envie de dire que ça paraît logique quand on est dans le mouvement de la magie, quand on est connecté à la nature, hein. Donc merci à Alliance Magique pour ce geste pour la planète. Je vais vous lire un petit peu le petit prologue qu'il peut y avoir derrière. Donc la vie est tellement plus jolie saupoudrée d'un soupçon de magie. Et si vous commenciez l'année en étant bien organisé, vous rêviez d'un agenda qui vous suive dans votre vie de tous les jours, le tout saupoudré d'un soupçon de magie, cet agenda de sorcière est fait pour vous. Semainier, phase lunaire et secret de sorcière, tout est là pour organiser votre année sans rien oublier. Laissez-vous enchanter par cet agenda à personnaliser, haut en couleurs et riche en savoir. Devenez la sorcière que vous aviez toujours rêvé d'être, ne perdez plus vos notes et planifiez enfin toutes vos activités. L'agenda de septembre 2021 à août 2022, donc fait par Véronique Arnaud alias Parole de Sorcière, que vous pouvez retrouver sur YouTube, sur Instagram. Je vous mettrai comme d'habitude tous les liens en barre d'infos en description, hein, que ce soit pour commander votre agenda ou les différents sites de Véronique, que je vous invite vivement à aller voir et à vous abonner. Donc Véronique, depuis l'enfance, a été bercée par la sorcellerie des campagnes pratiquée par sa grand-mère, qui a toujours voué un amour inconditionnel à la nature et ses cycles. Au fil des années, elle a enrichi sa pratique, approfondi ses connaissances, expérimenté des centaines de charmes, de prières, de techniques de soins et s'est ouverte à de nouveaux horizons pour créer ses propres systèmes de pensée. Donc là, vous avez son site que je vous mettrai, hein, vous inquiétez pas, en barre d'infos. Et je peux vous dire quelque chose à titre complètement personnel. C'est peut-être pour ça aussi que j'ai eu un coup de cœur pour l'agenda de l'année dernière. C'est qu'on sent qu'effectivement, Véronique, elle est connectée à la nature et que sa pratique magique est liée à la nature et qu'elle a de l'expérience. Et c'est le type de magie aussi que je pratique, à savoir cette connexion avec la nature, avec les éléments. Je suis pas du tout, et ça vous le savez, je vous l'ai déjà expliqué, je suis pas dans le mouvement Wicca, dans le sens déesse, dieu cornu, etc. C'est pas que j'y crois pas, hein, pas du tout, hein, et attention, je ne porte aucun jugement là-dessus. Mais pour moi, voilà, je manifeste davantage ma contemplation envers Gaïa, Pachamama, peu importe les noms qu'on lui donne, mais pour moi, voilà, c'est la nature et j'ai besoin de pratiquer cette magie en lien avec la nature, avec l'univers. Et c'est peut-être pour ça que justement j'adore tellement cet agenda, c'est qu'on sent cette connexion à la nature. Et en plus, vous allez voir, il est fait, pour ceux qui ne le connaîtraient pas, donc vous allez le découvrir, il est fait de façon un petit peu scrapbooking, enfin un peu beaucoup même, et vous allez rire, mais c'est grâce à l'agenda de l'année dernière que je me suis mis au scrapbooking, parce que j'adore le style comme ça de faire des patchwork, de trouver des choses et de les coller dans son petit grimoire, tout ça. Donc je dois aussi remercier Véronique pour l'inspiration qu'elle m'a fournie grâce à cet agenda et pour cette nouvelle passion que je me suis découverte pour le scrapbooking. Allez, maintenant je vous propose de le découvrir. Alors là, c'est ma petite dédicace, je ne vous la montrerai pas parce que c'est personnel et c'est intime et voilà, mais ce qui fait que voilà, cet agenda du coup il a un petit quelque chose en plus qui fait que voilà, il me touche encore plus personnellement et il est encore plus sacré pour moi. En plus, sur le petit emballage, elle m'a collé comme ceci des petits stickers qui sont trop mignons. Je voulais montrer, ici on a un petit hérisson qui se cache dans une petite souche de bois. Ici on a une petite couronne avec un petit escargot et la petite phrase qui nous dit All the cozy vibes. Et ici, regardez, on a deux petits escargots, un petit couple d'escargots sur une petite souche d'arbre qui est trop mignon. À l'intérieur, il y avait aussi ce petit parchemin qui était volant. Donc du coup, moi je l'ai carrément collé sur la page. Comme ça au moins, c'est plus pratique, je ne le perds pas et je pourrais le remplir directement. Alors, on y va tout de suite. Donc, on a la page de garde, on a, comme d'habitude, toutes les informations qu'on retrouve sur Alliance Magique. On a ici notre page principale, l'agenda parole de sorcière.
Et on y va tout de suite. Nous avons la présentation des bases, ça c'est bien, avec quelques bases et les outils. Donc c'est pour ça que je vous dis, vous allez le découvrir, cet agenda ressemble plus en fait à un livre des ombres que véritablement un agenda, puisque vous allez retrouver plein de choses. Donc pour ceux qui débutent la magie et qui cherchent justement un livre qui soit pas trop compliqué, mais qui vous permette d'être un vrai outil de tous les jours, c'est typiquement le genre de livre qu'il vous faut. Donc on va avoir ici donc tout les liens avec les éléments, ça on adore. La magie des jours et les planètes, ça aussi c'est bien de l'avoir mis, puisque en fonction des jours, c'est vrai qu'il y a des jours qui vont plus être propices pour certains rituels que d'autres. La magie du temps, la magie des couleurs, ça aussi c'est bien de l'avoir mis, hein, puisque chaque couleur va être associée à une énergie, à quelque chose de particulier. On va avoir la magie de l'eau, la magie des huiles. Ça, c'est vraiment bien. Franchement, Véronique, t'as fait un travail extraordinaire parce qu'il est super bien complété. Déjà que le premier était déjà, je trouve, très bien complet. Celui-là, il m'a l'air encore plus topissime. On a une prière de pouvoir, on a un exercice d'ancrage. Ça, c'est très intéressant parce qu'en magie ou même dans la vie quotidienne, l'ancrage, c'est quelque chose que vous devez maîtriser. Dès que vous avez un problème, dès que vous ne sentez pas bien ou dès que vous êtes déconnecté à quelque chose, vous faites un exercice d'ancrage, ça vous permet de pouvoir vous reconnecter à nouveau. Là, on a des exercices de respiration pour activer ses visions. Ça, c'est bien parce que souvent, je vous le dis en plus en vidéo, que la respiration, c'est très important. Peu importe ce que vous faites, que ce soit du théâtre ou n'importe quoi, du yoga, du sport, de la méditation, peu importe quoi, ou même dans la vie de tous les jours. Les exercices de respiration, c'est très important. Là, on a des exercices pour développer ses ressentis. Ça aussi, c'est bien. Ensuite, on va retrouver la roue de l'année, les carrés magiques planétaires. Donc, la roue de l'année, ça, c'est un classique, mais c'est un classique qu'il faut savoir impérativement en magie. Qu'est-ce que c'est que la roue de l'année? Eh bien, tout simplement, la roue de l'année, ce sont les sabbats importants, les fêtes majeures qui sont au nombre de 8, qui vont être découpées tout au long de l'année. On va donc retrouver tous les sabbats avec en plus les dates. Comme ça, c'est parfait. Vous pouvez facilement les retrouver. Là, pour le prochain d'ailleurs, ça va être Mabon, qui est le 21 septembre, qui correspond à l'équinoxe d'automne. C'est la fête, vraiment, c'est la fête des dernières récoltes, hein, puisqu'après, après la prochaine, c'est Samhain. Samhain, le nouvel an des sorcières. Je pense que pour beaucoup, Samhain est le sabbat emblématique. Pourquoi? Puisque vous connaissez Samhain sous le nom de Halloween. Par pitié, faites-moi plaisir, ne dites plus jamais Halloween. Halloween est une fête de confiseurs, la vraie fête derrière Halloween, c'est Samhain. Samhain, ou parfois aussi qu'on prononce Samhain. Hein. Ça s'écrit Samhain, mais ça se prononce Samhain ou Samhain. Vous avez aussi le calendrier druidique, ça c'est bien pour ceux qui sont dans le mouvement druidique. On a les lunaisons, ça aussi c'est topissime hein, pour travailler avec la lune. D'ailleurs, il faut savoir que les sabbats, ce sont des fêtes solaires et les esbats sont des fêtes lunaires. Et forcément, un esbat, c'est tout ce qui correspond à la lune. Je vais pas vous faire un cours, hein. Franchement c'est super bien détaillé. Regardez, en plus on a toutes les phases de la lune, que ce soit le premier croissant, le premier quartier, la lune gibbeuse, la pleine lune, la lune disséminatrice, le dernier quartier, la lune balsamique, comme le vinaigre. Et ensuite là on va avoir... Pour toujours dans les introductions, une petite page d'objectifs, de bilan, de prise de conscience. Ça, c'est la page jour anniversaire. Ça peut être pas mal du coup pour votre anniversaire de fixer. Alors votre anniversaire, ça peut être votre anniversaire civil, mais ça peut être votre anniversaire d'entrée en sorcellerie. Ça peut être un anniversaire particulier. Ça peut être la date d'un sabbat. Je sais pas si par exemple vous avez été consacré pour un sabbat. Eh bien, ça va être votre date d'anniversaire d'entrée en magie. Voilà, vraiment vous fixez la date d'anniversaire que vous voulez, mais pour cette page là vous allez pouvoir mettre un petit peu les objectifs que vous voulez atteindre pour l'année prochaine, enfin durant l'année, tout ce que vous voulez atteindre, faire un bilan sur l'année qui vient de s'écouler, si vous avez eu des déclics et des prises de conscience, et les autres objectifs que vous voulez atteindre. Alors, comme je vous l'ai dit, vous pouvez très bien mettre des objectifs de la vie quotidienne. Si vous voulez mettre, par exemple, que vous voulez perdre 10 kilos, que vous voulez passer le permis, que vous voulez déménager, que bah vous mettez ça. Si ce sont des objectifs plus spirituels, comme par exemple apprendre le tarot, maîtriser la chiromancie, ou je ne sais quoi, bah vraiment, vous vous appropriez l'agenda selon vos besoins. Hein. Si vous avez un agenda pour un agenda, entre guillemets, classique,
pratique pour la vie de tous les jours pour noter vos rendez-vous, eh bien vous gardez celui-là. Et si vous prenez celui-ci pour travailler toute votre vie magique et spirituelle, eh bien vous prenez celui-ci. Allez, ensuite, ici on a des petits symboles que vous pouvez utiliser qui sont sympas. Vous allez voir que tout le long, on va retrouver des dessins que vous pouvez vous amuser à colorier, hein, soit au feutre, au crayon, à la pastel, à l'aquarelle. Vraiment, faites-vous plaisir. N'hésitez pas à vous approprier le livre davantage, hein, pour qu'il puisse vous ressembler encore plus. Donc là, on a différents symboles. Déjà, les symboles astrologiques, les éléments alchimiques pour nos élémentaux, et là on va retrouver des petits éléments que Véronique nous suggère pour marquer des choses qu'on puisse les retrouver facilement. Si par exemple vous mettez un point d'interrogation, ça veut dire urgent, la petite étoile ça veut dire important, vous voyez. Après, libre à vous, vous voyez, vous avez encore un espace ici, libre à vous de créer vos propres symboles pour, encore une fois, pour vous approprier les choses, d'accord. Ensuite, là, on a des infos pratiques, et là, on va retrouver, donc, pour le mois de septembre, un petit calendrier avec des petites cases. Ici, on a les phases de la lune. Comme d'habitude, on a des superbes dessins. Et voyez ce que je vous disais sur l'aspect scrapbooking, puisque on a des photos, des petites feuilles avec des petits morceaux de scotch. À chaque fois, on croit, voilà, que ça a vraiment été fait. Et pourquoi pas vous amuser aussi à le faire en vrai, c'est-à-dire retrouver une feuille identique que vous allez pouvoir sécher et que vous allez pouvoir coller, hein, libre à vous de le customiser et de faire un entre guillemets un vrai grimoire scrapbooking, hein, là encore une fois, libre à vous de vous approprier les choses. Là, on a une petite wishlist, la wishlist du mois, hein. Elle est gentille, Véronique, elle sait qu'on craque facilement, donc il doit y avoir une wishlist pour tous les mois. Mais voilà, ici vous avez une wishlist pour le mois. Alors c'est pas forcément des choses à acheter, ça peut être des films à regarder qui sont sur la thématique spirituelle, je sais pas, par exemple moi, la saga du Seigneur des Anneaux, Harry Potter, des choses comme ça. Ça peut être des documentaires aussi, ça peut être des livres à lire, ça peut être des jeux à posséder, bref, une wishlist, hein. Une wishlist, c'est une liste de vœux, donc ça veut pas forcément dire des choses à acheter, ça veut dire des choses qu'on a envie de voir, de faire, etc., etc. Ça j'adore, regardez, on a la petite case de dire je t'aime encore et encore et savourer, ça oui, ça on coche absolument, hein, on ne dit jamais trop je t'aime. Ici on a un petit tracker d'humeur avec la lune. Donc avec des petites cases, libre à vous donc de les colorier, vous mettez un code couleur et puis après vous répertoriez ici dans le tracker les couleurs en fonction de la lune. Ça, je vous jure les amis, je vous invite vraiment à le faire. C'est un truc que je faisais pas parce que c'est pas que j'y croyais pas, mais c'est vrai que je faisais pas vraiment le rapport entre mes humeurs et la lune. Et j'ai découvert il y a pas très longtemps, hein, ça fait quelques mois maintenant que j'y suis vraiment réceptif. Et bah, à coïncidence, à chaque fois que j'ai une humeur particulière, ça va coïncider pile avec une phase lunaire. Par exemple, pour les pleines lunes, je sais que à chaque fois, je passais une nuit blanche. Mais quand je dis une nuit blanche, c'est vraiment blanche. Je ne vais pas fermer les yeux 5 minutes, mais le pire, c'est que je ne suis pas fatigué. Le sommeil ne se manifeste pas. Enfin, par exemple, en nouvelle lune aussi, pour la nouvelle lune, la lune noire, eh bien pareil, très souvent, je réalise que je suis un peu mélancolique, un peu triste, que je verse assez des souvenirs. Et je vous jure les amis, au début, j'ai pensé que j'étais bipolaire. Je me suis dit, toi, il faut que tu ailles chez le médecin parce que ça va plus d'être comme ça. Et puis, je me suis amusé vraiment à faire le tracker d'humeur de la lune. Et j'ai réalisé que, voilà, donc finalement, je suis pas bipolaire, je suis lunaire. Ce qui est peut-être pas mieux, vous me direz. Ensuite, ici, on va retrouver des tirages qui sont très intéressants. Ça, c'est quelque chose qui est nouveau, qui n'était pas dans le précédent, si je dis pas de bêtises. Donc, on a la lune, par exemple, attendez que je ne dise pas de bêtises, non, on a la vierge, excusez-moi, ça c'est, voilà, lune en vierge, c'est parce que j'étais en train de lire lune en vierge ici. Donc ici, on a tout le symbole de la vierge, toute sa signification, donc ça c'est sympa, et là, on vous propose le petit tirage de la vierge. Ça, c'est super intéressant de l'avoir fait, franchement, parce que si vous n'êtes pas calé en astrologie, ça peut être un bon départ pour vous y mettre. Si je prends mon cas personnel, l'astrologie, c'est pas quelque chose que je maîtrise, c'est-à-dire que je connais mes maisons, je connais mes planètes, je connais mes signes, mais en dehors de ça, je suis pas capable de vous faire un thème astral, ni de le décoder, qu'on soit bien clair, hein. Donc ne venez pas me le demander, je suis en train de dire que je suis pas capable de le faire. Mais du coup, ça peut être super intéressant pour quelqu'un qui démarre l'astrologie ou qui voudrait connaître un petit peu l'astrologie, d'avoir des pages comme ça pour, eh bien déjà, connaître un petit peu mieux
les signes astrologiques. Et se faire un tirage associé, ça peut être aussi une bonne méthode pour extraire des informations qu'on va pouvoir après associer aux signes astrologiques. Donc ça, c'est bien aussi de l'avoir mis. Franchement, c'est une bonne idée. Là, on va retrouver donc des petits encarts, toujours de façon scrapbooking, en fonction de chaque jour pour pouvoir y noter les événements importants. Alors, soit vous pouvez le faire en début de journée, par exemple, pourquoi pas, je vais vous donner quelques exemples. Vous tirez avant de travailler, vous tirez une petite carte pour définir votre énergie du jour, et bah tac, vous allez vous écrire tel jeu utilisé, telle carte tirée, tel message donné, et puis pourquoi pas, vous gardez les deux lignes pour la fin de la journée, et dire qu'est-ce qui s'est passé, est-ce que la carte ça s'est passé comme ceci, comme cela, etc. Voilà, c'est une idée que je vous donne. Après, vous êtes libre de mettre évidemment ce que vous voulez. Ça peut être des rendez-vous chez le médecin, la liste de courses, j'en sais rien moi. Ensuite, la nouvelle lune en vierge, donc ça c'est bien, on vous donne en plus la date exacte, l'heure exacte, on vous donne même les degrés soleil et lune à 14 degrés 38 de la vierge en maison 3 ascendant cancer pour la France. Vous avez vu un petit peu comme je suis calé en astrologie, j'ai pu vous dire avec exactitude comment elle était. Non, j'ai juste lu ce qui était écrit. Là, vous avez les correspondances qui sont sympas aussi avec les couleurs de chandelle, avec les éléments, avec les pierres, les plantes et les encens. Ce qui fait que si vous voulez célébrer les esbas, vous avez ici toute la liste de ce que vous pouvez utiliser pour faire votre esba. Ça, c'est top, hein, franchement. Ensuite, ici, bah, on a un rituel fait exprès, la graine de sagesse. On vous donne donc le matériel et le rituel à faire. Vous voyez, quand je vous disais qu'il ressemble quand même plus à un livre des ombres, je mentais pas, hein, parce que vous avez pu voir qu'il n'y a pas grand-chose en termes d'agenda et qu'on a quand même beaucoup plus d'informations pratiques qui, pour moi, sont dignes d'un grimoire. Hein. Il n'y a pas d'autre mot. Donc là, on retrouve notre semainier avec une petite parole de sorcière. Ici, on a le rituel, enfin le sabbat de Mabon avec, par exemple, gâteau d'action de grâce de Mabon. Ah, attendez, laissez-moi regarder ça parce que je cherche des recettes originales à vous proposer. Donc, il nous faudra deux belles pommes, des cerneaux de noix, sucre, farine, levure chimique, trois œufs. Bah, ça a l'air super simple à faire en plus. Eh ben, allez, vendu. Vous savez quoi, les amis, je vais vous faire cette tarte pour Mabon. Ici, on a les correspondances donc pour Mabon. Ici, on a la description de Mabon. Qu'est-ce que Mabon? Et là, on retrouve de nouveau notre semainier. Ensuite, la pleine lune. Oui, la pleine lune, c'est ça que je dis pas bêtise, full. La pleine lune de Cernunnos. Vous savez, Cernunnos, c'est souvent la représentation du dieu cornu. Hein. C'est le paon avec les cornes de bouc ainsi que les pattes de bouc. Donc pour la pleine lune, pareil, on propose aussi un petit rituel, un esba, avec encore une fois les correspondances pour les matériels. De nouveau le semainier. Là, on va avoir les activités que vous pouvez faire au mois de septembre, les fruits et légumes d'automne en mage. Ah, ça c'est sympa ça. Ça c'est sympa d'avoir mis. Ah ouais, ça c'est super sympa d'avoir mis les fruits et légumes de saison, parce que si vous voulez travailler vos sabbats et être vraiment en pleine connexion et en pleine communion pour vos sabbats, c'est quand même mieux de travailler avec les fruits de saison quoi. Concrètement, je prends un exemple tout bête, hein, vous allez pas, je sais pas. Faire de l'ananas à Yule, quoi, c'est... Voilà. Surtout que, de base, il y a des fruits et des légumes qui n'existaient pas par chez nous. Et moi, pour ça, je suis assez puriste, dans le sens où je suis pas super fan d'utiliser des choses qu'on n'avait pas, qui ne sont pas originaires de chez nous et qui ne sont pas de saison non plus. Hein, moi, j'aime bien, au contraire, utiliser des choses qui sont de saison, parce que, du coup, ces fruits, ces légumes, tous ces produits, ils vont avoir une énergie particulière parce qu'ils sont connectés à l'énergie actuelle. Et le fait en plus que ça soit local et qu'ils viennent de nos terres, qu'ils ont une identité qui appartient à nos terres, eh ben, ça leur confère une énergie qui est plus particulière. Voilà. Bon, après, c'est mon avis, hein, comme je vous le dis souvent, la magie évolue, on est en 2022 bientôt, la magie, voilà, c'est plus l'époque du Moyen-Âge, hein, il faut pas non plus être puriste, sectaire, il faut aussi savoir s'adapter. Mais pour certaines choses, c'est vrai que je suis un peu puriste, je le reconnais. Et là, on passe au mois d'octobre. Donc, à chaque fois, on va retrouver le même principe. Je vais vous montrer aussi quelque chose. Regardez, j'espère que vous allez le voir à la caméra. On peut voir ici qu'il y a un code couleur pour chaque mois. Ça, c'est super intéressant parce que du coup, ça évite de chercher... Bon, normalement, si vous le tenez
quotidiennement, votre agenda, vous savez où est-ce que vous en êtes. Mais je veux dire, voilà, si vous cherchez un mois particulier, eh bien, vous avez le code couleur qui est rattaché au mois et ça, c'est vraiment sympa. Donc, je vais pas vous montrer toutes les pages puisqu'à chaque fois, on va retrouver exactement le même principe et à chaque fois, de nouvelles informations. Hein. Tiens, regardez, par exemple, là, je tombe sur le bocal à soucis. Pour la pleine lune de novembre, alors ça, je vais le faire, mais il me faudrait un très gros bocal. Il me faudrait carrément un vase, en fait. Voilà. Si ça vous intéresse, pourquoi pas, je vous montrerai deux, trois petites choses. Mais bon, si vous avez l'agenda, j'ai pas lieu de vous le montrer. Hein, sincèrement, ça servira un petit peu à rien. Mais voilà, vraiment, je le trouve super bien fait. Il est comme l'autre, il est de la même qualité que l'autre. Il a le même type d'informations qui sont vraiment très complètes, qui sont très intéressantes. Et sans parler de l'agenda... Si vous n'êtes pas du tout organisé, si pour vous l'agenda c'est plutôt une corvée d'écrire, rien que pour le plaisir en fait de toutes les informations que vous trouvez, parce que vous l'avez vu, il y a quand même peu de choses par rapport à l'agenda par les sémeniers, hein, donc vous êtes libre de pouvoir le prendre juste pour toutes les informations qu'il y a sur le bouquin, et après libre à vous pourquoi pas de ne pas écrire les jours, mais d'utiliser ces espaces pour écrire ce que vous avez envie d'écrire. Ça peut être des poèmes, ça peut être des petits rituels, des formules, des penses bêtes, des choses auxquelles vous tenez, voulez-vous rappeler. Voilà. Dans tous les cas, vraiment, ce livre, pour moi, c'est un vrai atout qu'il faut posséder impérativement. Oui, je vous dis qu'il faut le posséder impérativement. Vous me connaissez, je suis pas du genre à pousser à la consommation, mais là, pour le coup, cet agenda, il vaut vraiment le coup. Et comme je l'ai dit, si vous le couplez avec le grimoire de Lisbeth, ça peut vraiment vous apporter une base de travail très intéressante, puisque vous aurez d'un côté un carnet de travaux pratiques, avec Lisbeth, et de l'autre vous aurez l'aspect grimoire, donc du coup tous les exercices que vous pouvez réaliser venant de cet agenda là, et eh bien vous pouvez les retranscrire après dans l'autre grimoire. Donc ne me posez pas la question de savoir, oui mais Jojo du coup au final on choisit lequel, je viens d'y répondre. C'est impossible de vous orienter vers ou l'un ou l'autre, les deux sont bien, les deux sont différents tout en étant complètement complémentaires aussi. Après, je sais pas si vraiment fallait choisir, mais c'est difficile et puis là c'est très subjectif ce que je vais dire, mais si vraiment fallait choisir, moi j'aurais une légère tendance pour celui-ci parce qu'il est plus axé sorcellerie, en fait il correspond mieux à ma pratique en fait, voilà. Mais c'est très personnel et c'est très subjectif de dire ça, hein. Donc ce qui me convient à moi ne veut pas forcément dire que ça vous convient à vous, mais pour vous faire une idée, essayez les deux tout simplement, hein. J'ai envie de vous dire, pour 20€ chaque livre, ça vous fait 40€ à l'année, c'est quand même vite rentabilisé très concrètement. Vous essayez et puis vous voyez celui qui vous convient le mieux. Et du coup, bah après l'année prochaine, vous vous orientez plus vers l'un ou vers l'autre, bien que là encore, c'est une fois de plus subjectif de dire ça, sachant que chaque agenda, d'année en année, il y a des choses en plus. Hein. Je prends celui-ci, il y a des choses supplémentaires qu'il n'y avait pas dans l'autre. Il a son identité propre. Voilà, donc donc je peux pas vous conseiller davantage plus. Hein, voilà. Voilà donc mes chers amis pour cette présentation de l'agenda de Parole de Sorcière, donc de Véronique Arnaud alias Parole de Sorcière. Je vous invite vraiment à craquer dessus, c'est un très joli ouvrage sincèrement et je peux pas en dire plus quoi. Si vous n'êtes pas convaincu par tout ce que je vous ai dit, ben moi je sais plus quoi vous dire après. Hein. Allez sur ce, je vous embrasse tous très fort et puis nous on se retrouve très vite dans de prochaines vidéos, prenez bien soin de vous.